apprécier le patrimoine urbain ou des œuvres d'art tout azimut, se promener en piéton branché à la découverte de la maison natale d'un écrivain ou d'un lieu historique, interroger virtuellement ce qui se trouve devant soi, n'est-ce pas là une magnifique occasion pour s'ouvrir à la diversité de la société québécoise et du territoire que constitue le Québec? Les élèves seront invités à réaliser des balados sous forme d'audioguide pour faire connaître leur environnement culturel immédiat. L'épicerie du quartier, le nom d'une rue, un plan d'eau, une sculpture, tout s'avère digne d'intérêt. D'une durée variant entre 1 et 4 minutes, ces audioguides seront produits selon le domaine d'apprentissage choisi. Les élèves auront à porter attention à la diction au niveau de la langue et au rythme. Ces balados, avec ou sans images, seront géolocalisés puis déposés sur le site Balado Web. Ces audioguides pourront être écoutés ou visionnés in situ par le biais de la technologie mobile. D'autre part, ils seront aussi disponibles par téléchargement ou abonnement. Ainsi, de cette façon, c'est toute la culture d'ici qui sera accessible, non seulement aux élèves, mais aussi à tous ceux qui souhaitent visiter le Québec. Ce projet d'envergure nationale renouvellera sans aucun doute les regards portés sur notre culture, car les élèves participeront activement à celle-ci tout en donnant sens à leurs apprentissages. Culture à l'écoute des audioguides pour tout le Québec, faire du Québec un musée à ciel ouvert. Disponible sur baladoweb.qc.ca.